يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 Alors beaucoup pensent que le mot du ramadan c'est simplement se lever à l'heure de l'fajr. Dernière seconde, il se lève et il entame son jeûne pendant la journée en se disant je dois me priver de boire et de manger pendant la journée. Quand c'est le maghrib je mange, ça s'arrête là. Non, le ramadan c'est un tout. C'est avant l'fajr, c'est après l'fajr, c'est avant le maghrib et c'est après le maghrib. C'est-à-dire c'est un tout. Bien sûr qu'on s'abstient de boire et de manger entre l'fajr et le maghrib. Mais c'est un mois, on ne dit pas les journées du ramadan, c'est le mois du ramadan. Donc il faut vivre avec ce mois et particulièrement à un moment qui est fortement recommandé. C'est-à-dire on doit être présent pendant ce moment-là. On ne doit pas être endormi. C'est le moment du suhoor. Alors quand on parle de suhoor, c'est quoi ? As-suhoor, c'est le fait de prendre le repas du matin, avant le fajr, avant l'aube, le lever du soleil, l'aube plutôt. Et quand on dit sahur avec le fatha, ça, pas suhoor, sahur, c'est le repas qui est pris. Et suhoor, c'est le fait de prendre le repas. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé qu'il ne faut surtout pas manquer le sahur. Ce repas-là, il ne faut pas le rater. Si minime soit-il, c'est pour ça qu'il dit, kama fi sahih, tasahharu walau bilma. Prenez le repas du matin, ne serait-ce qu'avec de l'eau, même une gorgée d'eau. Pourquoi ? Parce que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka ». Prenez le sahur, le repas du matin. Alors, là, vous voulez la bénédiction de Dieu ? Eh bien, sa bénédiction, elle est entre autres dans le repas du matin. Il dit car dans ce repas-là, même si tu bois un peu d'eau, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction dans cette eau, il y a une bénédiction dans cette nourriture, c'est-à-dire dans le fait de boire l'eau et le fait de manger cette nourriture. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allahumma ja'alna minhum. Allah ainsi que ses anges prient sur celles et ceux qui se lèvent le matin pour prendre le repas du matin. Donc c'est un repas qu'il ne faut pas rater parce qu'à travers ce repas, il y a une bénédiction pour l'âme, il y a une force pour le corps. Et il y a une éducation de la part de ton Seigneur. Dieu t'habitue pendant un mois à te lever, pas pour le fajr, mais avant le fajr. C'est-à-dire ton corps, pendant 30 jours, une trentaine de jours plutôt, pendant approximativement un mois, il s'habitue à se lever tôt le matin. Et ici, ça donne du tonus et du punch quelque part à ton corps. Et alhamdulillah, tu as cette habitude qui peut t'être bénéfique en dehors du ramadan. Parce que ça, tu as habitué ton corps, c'est beaucoup plus facile par la suite pour toi de te lever à le fajr, plus que cela, avant le fajr, pour faire ne serait-ce que de rak'at, fi sabilillah azza wa jalla. Donc ne ratez jamais le repas du matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre mois du ramadan et qu'Allah jalla wa ala accepte de nous et de vous notre jeûne du ramadan. Hafizakum Allah. Fi kal hubb zad amma al ibad يا خير زاد رمضان.